Laura Miorat, bonsoir. Vous nous Bonsoir. recevez ce soir à Sabarat, dont vous êtes le maire, mais également vous êtes vice-président de la communauté de communes Arizalaise, en charge de l'urbanisme. Justement, lors du dernier conseil communautaire, vous avez adopté le travail qui a été accompli autour du PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît. Alors oui, on a voulu la genèse de ce projet du PLUI Arizalaise. C'est qu'on avait des documents d'urbanisme disparates sur l'ensemble des deux vallées. On avait un PLUI sur l'Arize qui était un des premiers PLUI qui datait de 2017, qui avait le défaut de ses qualités, puisque comme c'était un des premiers documents d'urbanisme en Midi-Pyrénées, un PLUI en Midi-Pyrénées, ce document était drôlement plus réglementé que ce qu'on nous impose maintenant. Et sur l'Alaise, il y avait plusieurs documents, que ce soit des PLU, que ce soit des cartes communales ou même des communes au RNU. Donc on a voulu un peu uniformiser tout ça, avoir un règlement commun pour l'ensemble des deux vallées et que les autorisations d'urbanisme soient gérées de la même façon, quelle que soit la commune des deux vallées. D'accord. Donc, il a fallu pour ça 3 ans de travail, hein, si je ne dis pas de Alors, bêtises. 3 ans de travail, on a commencé par un diagnostic de l'ensemble du territoire, que ce soit diagnostic agricole, diagnostic environnemental, un diagnostic de toutes les atouts de nos deux vallées. Après, il a fallu faire un PADD, un projet d'aménagement et de développement durable, c'est-à-dire avoir un projet politique commun pour l'ensemble des 27 communes d'Arizalèze. Après est arrivé le zonage, c'est-à-dire qu'on a fait des dessins sur des cartes pour savoir quelles étaient les zones qui allaient être urbanisées, à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles. Oui, avec une surprise pour ma part, quand on a entendu les chiffres, 64% en surface agricole, mais en bâti uniquement 0,06%. Oui, on a exactement, c'est le pourcentage de zones urbanisables par rapport à l'ensemble du territoire. On est à peu près 1%, on va dire. Et l'ensemble de notre territoire, qui est un territoire agricole, et avec des zones à 64% pour des zones agricoles. Et alors sur ces zones, on a après ce qui fait un règlement pour réglementer l'urbanisation sur chacune de ces zones. On ne fait pas la même chose qu'on soit zone U urbanisable, qu'en plus on délimite dans des zones U A, U B, U C, et on ne fait Oui, pas c'est la très même chose. pointu, hein, Ah oui, comme c'est très pointu, délimitation. on va au profond, au plus près de la parcelle. Et après, on n'a pas la même réglementation, que ce soit avec du U, du A, du N. On réglemente comme ça toutes les règles d'urbanisme sur les deux vallées de façon uniforme, puisque qu'on soit à Savarat, à Lézat ou à Camarade, on a le même règlement sur l'ensemble, on aura le même règlement sur les 27 communes à Rizal. Avec en plus une nouvelle loi, la loi ZAN, zéro artificialisation nette, Oui. qui est intervenue et qui du coup va faire que l'Alaise et l'Arize vont être un des premiers PLUI à intégrer cette loi A ZAN. intégré cette loi ZAN qui nous a contraints à l'horizon 2035 à réduire de 50% ce qu'on avait déjà construit sur les 10 dernières années. C'est-à-dire qu'on avait, nous, capté sur l'agricole 70 hectares pour faire de l'urbanisation. Et donc, on a eu droit pour ce PLUI à 35 hectares à peu près pour notre développement futur à l'horizon 2035. D'accord. Ce PLUI, il a été. Il est contraint par plusieurs choses, les personnes associées, que sont la Chambre d'agriculture, la DDT, l'État, nous ont fixé des règles qu'il a fallu respecter pour qu'on soit en adéquation avec ce qu'ils veulent, eux, pour l'urbanisation sur notre territoire. Donc il a fallu faire avec ces contraintes, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps, mais un peu beaucoup de temps ces 3 ans, parce qu'il a fallu répondre à toutes les contraintes que nous donnaient ces personnes publiques associées. Et alors concrètement, pour chaque commune, il va y avoir une possibilité de développement qui soit urbain, économique ou pas? Alors, toutes les communes auront un développement urbain à minimum d'un hectare, même un peu plus, on a un peu plus, que ce soit la petite commune ou la commune de Lézat, toutes les communes auront un potentiel de développement urbain. Et après, ce En sera proportion. indexé sur la dernière tranche des 10 dernières années, c'est ça? Oui, après, sur les 10 dernières années, on aura un peu plus, ce sera des zones à urbaniser, donc qui seront rajoutées après à partir de 2035, sur les 10 prochaines années, on a rajouté un peu de terrain, une quinzaine d'hectares, qui ne seront ouverts que
à partir de 2035. Alors vous disiez que ce PLUI va être en place fin 2024. Il y a donc un calendrier avant la mise en place. Il y a un calendrier là, ouais. Pour finir. Donc on a approuvé notre PLUI, c'est-à-dire qu'on a posé le stylo, c'est-à-dire qu'on a figé le règlement et le zonage et le PADD de notre PLUI. Maintenant, il va y avoir 4 mois où on envoie, même si on a travaillé avec eux depuis 3 ans, on envoie notre PLUI aux personnes publiques associées. Donc, Chambre d'agriculture, DDT, la préfecture, pour qu'ils donnent un avis sur notre PLUI. Au bout de ces 4 mois, on va lancer l'enquête publique. Donc, on sera à peu près fin août, début septembre, pour un mois et demi, où là, toute la population pourra venir dire ce qu'ils pensent de notre PLUI, à faire des requêtes. Mon terrain n'est pas constructible, mais je souhaiterais qu'il soit constructible. Voilà, donc tout ça, tout le monde sera informé le plus largement possible pour venir faire ses doléances. Et à partir de là, l'enquête publique se terminera fin septembre. On répondra à toutes les requêtes, que ce soit des personnes publiques associées ou des administrés qui viendront demander quelque chose à l'enquête publique. Donc on a 2 mois pour leur répondre. Au bout de ces 2 mois, on met à jour notre PLUI selon ou pas selon les requêtes qui ont été formulées. Et on approuve notre PLUI. Et après, c'est la préfecture qui valide ce PLUI in fine lorsqu'il a été approuvé. D'accord. Donc concrètement, début 2025, il devrait être mis en place. Début 2025, c'est ces règles-là qui seront les règles qui réglementeront l'urbanisme sur... Et il sera totalement figé parce qu'on n'est pas peut-être à l'abri de quelques changements, c'est jamais complètement figé. C'est jamais figé, c'est toujours en vie. On aura possibilité de faire des modifications simplifiées ou un peu plus complexes selon la nature de ce que l'on veut changer sur notre PLUI. Mais c'est toujours vivant, un PLUI, c'est jamais figé. Si un grand projet arrive et qu'on a besoin d'adapter notre PLUI en fonction de ce règlement, on pourra faire, selon certaines procédures, des modifications sur ce PLUI. Bien. Mais je vous remercie, M. Mirat. Avec plaisir.